bordel. On est déjà à Halloween. J'adore cette fête. Tu peux t'amuser à faire peur aux gens. Et tu peux te déguiser en des choses qui foutent la trouille. Et là je dis non. Tu peux pas te déguiser en princesse pour faire peur aux gens. À la limite en reine, ok? Mais pas en princesse. Oh bordel. Et les filles, vous êtes les premières à nous dire. Je suis pas une fille facile, ok? Et je déteste quand vous les garçons me regardez comme un morceau de viande. Et votre déguisement? Et cette fête cartonne aux États-Unis, un truc de ouf. Des décos sublimes, partout. Une ambiance géniale, on se croirait dans un film d'horreur. Et en Belgique? Ouh, je suis une citrouille et je fais très peur. Un flop, tout le monde s'en fout. Je sais pas si t'as déjà fait le tour au soir avec tes enfants pour aller chercher les bonbons. Les gens, ils ont rien prévu du tout. Zéro bonbon. Donc ils t'offrent ce qu'ils trouvent. Ah, des bonbons, l'ami. Ah, qu'est-ce que c'est que ces merdes? Quoi, des bonbons? Je sais pas si j'en ai, les enfants. Mais attendez une seconde, je vais aller voir. J'ai pas de bonbons, mais j'ai une belle pomme. Et ça sera pour toi. J'ai une gousse d'ail. J'ai un beau patin à glace. J'ai un vieux chips que j'ai trouvé entre les coussins de mon salon. Un rouleau de scotch. Une belle ramassette. Et ça sera pour toi. Et une manette de console. Et ça sera pour moi. Et je comprends. Décorer pour Halloween, c'est chiant. Déjà juste découper une citrouille, mon gars, tu en as pour des heures. Pour qu'au final, elle soit dégueulasse. Et je vais te dire, moi je sais comment rendre populaire Halloween en Belgique. À la place d'offrir des bonbons, tu offres des bières. Avec tous les baraquets alcoolos en Belgique, ça devient la fête de l'année. For a ride in my death cab, scratch that, sorry man, that was handled by another indie band, and then they blew up in reality shifts. When you talk about success, did you really talk about this?